La prostitution dans les milieux de prière est notre nouvelle thématique de ce soir. Bienvenue à vous, auditeurs, téléspectateurs et internautes de la RTOPH. Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs. La prostitution est un thème délicat choisi par notre invité principal, Charme Kongilundu. Nous allons en débattre tout à l'heure. Bonsoir Charme Kongilundu, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir Madame la journaliste et merci pour ces souhaits de bénédiction. Nous en avons besoin parce que nous sommes dans une marche dans ce monde qui, quelque part, peut faire peur à ceux qui ont des petits problèmes avec la foi. Parce qu'il ne se passe pas un seul jour sans que nous puissions remarquer, observer, quelque part dans le monde, quelque chose qui dépasse l'entendement des humains. Tout au moins, c'est quelque chose qui n'avait pas l'habitude d'avoir cours dans la réalité des choses. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons ce souhait de bénédiction en souhaitant la même chose de la part de notre Dieu à tous ceux et à toutes celles qui ont donné leur confiance à cette émission, à Slaynou qui fait son petit chemin au milieu des thématiques qui sont considérées par les uns et les autres comme étant des thématiques qui donnent une certaine marche dans la vie. Mais on oublie que le principal, c'est de reconnaître Dieu comme le Créateur. En le reconnaissant comme le Créateur, l'accepter, en l'acceptant, obéir à ce qu'il nous demande. Et c'est un exercice qui devient difficile de nos jours, Madame la journaliste, chers téléspectateurs, chers auditeurs, simplement parce que l'environnement est désormais entre les mains des pesanteurs de ce monde. Alors, pour la compréhension peut-être de ce que nous allons dire tout à l'heure, et avec votre permission, pour m'étendre un peu dans ce mot introductif. Donc, pour comprendre un peu ce que nous allons évoquer tout à l'heure, j'ai voulu repartir dans le dictionnaire pour prendre la définition d'un mot. Et vous allez comprendre pourquoi je voudrais qu'on puisse apesantir d'entrée de jeu sur cette définition. Et nous allons comprendre le bien fondé de cette introduction dans le cours de nos échanges. Il s'agit du verbe « voler ». On laisse l'aspect voler aller au ciel, faire comme les oiseaux, parce que voler peut avoir deux significations. Mais nous allons rester dans le cas de voler, comme prendre, s'approprier quelque chose qui est le bien d'autrui par la ruse ou par la force. Le verbe voler, définition, prendre, s'approprier quelque chose qui est le bien d'autrui par la ruse ou par la force. Et on va un peu s'étendre dans la définition en disant, il y a vol quand une personne prend et enlève un bien ou une chose qui ne lui appartient pas. L'auteur a conscience de l'acte commis car il agit dans le but de s'accaparer la chose d'autrui. Donc il y a vol quand une personne prend et enlève un bien ou une chose qui ne lui appartient pas. L'auteur, c'est-à-dire celui qui le fait, a conscience de l'acte commis car il agit dans le but de s'accaparer la chose d'autrui. Alors, Madame la journaliste, vous allez vous poser la question de savoir mais pourquoi cette émission dont le thème est la prostitution dans les milieux de prière, pourquoi on commence par le verbe voler. Aujourd'hui, vous allez surprendre une mère de famille quelque part, assaillie par les demandes de ses enfants à la maison, abandonnée par le père de ses enfants. Elle ne trouve rien qui peut constituer le repas quotidien de ses enfants. Et ce matin-là, c'est pire que les autres jours. Alors, elle va se lever, elle va se rendre quelque part, et par la ruse, elle va voler, elle va prendre deux verres de riz quelque part. Malchance, manque de peau pour elle, elle va être attrapée. Et moi, j'ai vu comment
la population s'était vraiment avait pris une femme qui était surprise en flagrant délit de vol et elle a été pratiquement mutilée. Et il ne se passe pas un jour aussi sans que dans un quartier, on nous parle d'un voleur, de quelqu'un qu'on a attrapé, qui a volé. Et tout le monde se rue sur la personne et nous avons souvent des conséquences dramatiques, malheureuses. Alors, cette femme a volé. Cet homme aussi a volé. Ce jeune garçon a volé. Mais quand vous voyez la définition de voler, vous vous rendez compte que il y a des gens qui volent plus même que cette maman qui a été attrapée au marché, qui volent même plus que ce garçon-là, qui volent parfois sans besoin, parce que parfois vous trouvez des gens qui sont nantis, qui ont déjà accumulé plein de richesses, qui ont déjà accumulé plein d'argent, mais qui n'hésitent pas à voler. Bon, ceux-là qui volent aussi par la ruse, qui prennent le bien d'autrui, qui sont concernés par le même verbe voler. Quelque part, ce sont des honneurs. Quelque part, on leur accorde une certaine dignité. On leur accorde une certaine considération. On leur accorde un certain respect. On leur accorde une certaine popularité alors qu'ils volent. À longueur de journée, ils volent. Ils ne font que voler. Ils ont bâti leur richesse sur le vol. Ils ont bâti la personnalité qui est la leur par le vol. Et regardez le même verbe voler, les conséquences qu'il y a eu pour cette pauvre maman, qui, on peut dire quelque part, avait peut-être raison d'aller voler. Bien que voler ne soit pas une bonne chose. Mais voilà comment elle a été traitée. Et nous reviendrons au cours de l'émission pour dire pourquoi nous avons commencé, en répondant à votre question, à vos salutations, nous avons voulu parler du verbe voler et de la considération que ce verbe a dans la mentalité des uns, dans la culture des autres et aussi dans la marche des choses. Merci beaucoup, Papa Chat, pour votre mot introductif. Alors, pourquoi avoir choisi ce terme si délicat et peu développé dans nos églises? L'église doit aller vers la vérité. L'église doit défendre la vérité. L'église doit entretenir la vérité. Parce que Dieu est la vérité. Donc, il n'y a pas un sujet occulté par l'église. Il n'y a pas un sujet pour lequel on dira que ce sujet ne concerne pas l'église. Aujourd'hui, malheureusement, Madame la journaliste, je vous ai pris le verbe voler. Vous avez compris que voler avait un sens pour les uns, pour en prendre un autre pour les autres. Si on revient sur le verbe voler, et quand on nous dit il y a vol, quand une personne prend et enlève un bien ou une chose qui ne lui appartient pas, combien d'entre nous volent à longueur de journée? Est-ce que nous subissons les mêmes conséquences que subissent ceux-là qui volent parce qu'ils sont dans une précarité qui les conduit à poser de tels actes? Et pourquoi la prostitution aujourd'hui? Aujourd'hui, en termes de prostitution, dans la bande-annonce, nous avons fait le résumé de la définition du concept prostitution. Ici, à Pointe-Noire où nous sommes, il y a un lieu tout à fait indiqué qui est rentré dans l'histoire, qui devient même un patrimoine immatériel. C'est le quartier Rex. Quand on parle de prostitution à Pointe-Noire, on parle de Rex. Bien qu'aujourd'hui, la prostitution a atteint certaines autres dimensions. Aujourd'hui, à certaines heures tardives de la journée, vous trouvez des gens qui en ont fait un métier, vous les trouvez un peu par-ci, par-là. Vous allez à la plage, vous allez à la côte. Mais Rex est comme une identité remarquable. On parlera de la rue Princesse en Côte d'Ivoire et tout. Mais comme pour le verbe voler, la prostitution, elle a un sens. Quand on parle des prostituées qui sont à Rex, qui sont à la rue Princesse, qui sont à la Canebière à Marseille, et un autre sens pour des prostituées beaucoup plus nantis qui font la même chose, mais qui sont considérées comme étant dignes, qui ont une certaine respectabilité. Et cette respectabilité, beaucoup trouvent la couverture en fréquentant les lieux de prière. Les gens fréquentent les lieux de prière pour se donner une certaine respectabilité, mais au fond, la prostitution a pris de l'ampleur dans les milieux de prière. Comprenez que nous sommes en plein cœur du quartier Ngoyo. C'est la clinique Issa qui nous a reçus aujourd'hui.
Merci beaucoup. Revenons à vous, Papa Charles. Quand nous scrutons les Saintes Écritures, nous voyons bien que les grands hommes sont tombés à cause de la femme. Votre commentaire? Oui, il faut revenir à ça. Je crois qu'il y a eu des émissions précédentes où nous avons longuement parlé du sexe comme étant un piège, comme étant aussi un élément qui nous fait reculer dans notre progression, dans la quête d'une progression vers une spiritualité épanouie. Vous savez, on dit souvent que l'usage des rapports sexuels sans véritable amour a un impact négatif sur notre évolution spirituelle, même sur notre intimité avec Dieu. Et nous avons compris qu'il y a eu des hommes forts dans la Bible, des hommes qui avaient la confiance de Dieu, les hommes en qui Dieu avait donné une partie de l'intelligence et de la sagesse, des hommes qui ont fait des grandes choses dans la défense de la vérité de Dieu, dans la défense du nom de Dieu, dans la défense même du peuple de Dieu, des hommes qui ont même conduit à un certain moment, par procuration, par la grâce de Dieu, les destinées du peuple de Dieu. Mais il y a eu des hommes qu'on n'a pas pu avoir par d'autres formes d'attaques, de tribulations, de persécutions, mais qui sont tombés par ce canal-là. Et aujourd'hui, je peux vous parler de Samson et Dalila. Quand on n'arrive pas à trouver le secret de la force de Samson, on se sert de Dalila, donc on se sert des charmes, on se sert du sexe, et c'est là où on découvre qu'il fallait agir au niveau des cheveux de Samson. Aujourd'hui, à Salomon, Dieu avait donné et l'intelligence et la sagesse. Et Dieu a assis tout ça par un nombre élevé de concubines et de femmes. Donc, normalement, avoir les 300, les 600 et l'intelligence et la sagesse, Salomon ne devait plus tomber dans ce genre de situation. Mais Salomon, lui aussi, est tombé à cause de la femme étrangère. Si nous évoluons, nous allons voir David, le fils de Jessé. David, on a de lui, à travers le prophète Nathan, le psaume qui est devenu désormais célèbre, le psaume 51. Et David a eu à admirer la femme de l'autre, la femme de Uri, un de ses grands chefs militaires. Et nous savons où est-ce que cela a abouti, jusqu'à la mort de Uri. Oui, les grands hommes dans la Bible sont tombés à cause de la femme. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle du sexe, il faudrait qu'on soit dans une délicatesse, mais aussi dans une vérité, pour dire aux uns et aux autres que la spiritualité de chacun de nous peut être détruite. La relation de chacun de nous avec Dieu peut être détruite. L'intimité de chacun de nous avec Dieu peut être détruite si nous rentrons dans un mauvais usage du sexe. Que dit la Bible par rapport aux relations sexuelles? Il n'y a rien de mauvais dans ce genre de relation. D'ailleurs, c'est une création de Dieu. Je ne vais peut-être pas lire, mais je veux donner aux téléspectateurs et aux auditeurs quelques références de la Bible et pour dire que les relations sexuelles, c'est une création de Dieu. Le désir est donné à l'homme et à la femme par Dieu. Donc, nous avons Genèse au chapitre 1, les versets 27 et 31. Donc, Genèse, chapitre 1, versets 27 et 31. Nous avons Genèse au chapitre 2, versets 25 et 24. Et là, nous voyons que c'est une création de Dieu. Le désir sexuel est accordé à l'homme et à la femme par Dieu. Nous voyons aussi que c'est une chose agréable. C'est agréable. Je vais vous lire dans le Cantique des Cantiques, hein, spécialement dans, je crois que c'est dans Cantique 5, le verset 1. Il y a une chose très intéressante là, dans Cantique 5, verset 1. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. On parle d'amour hein, dans le Cantique des Cantiques. On va même un peu plus loin. On va même, on dirait, au-delà de ce qui fait dire à certaines personnes le respect et tout. Donc, la Bible nous parle des relations sexuelles. Mais la Bible revient sur le fait que la jouissance de cet acte doit se faire dans le cadre du mariage. Et on nous parle, je prends mes notes,
on nous parle du fait que ce désir-là, qui est insufflé à l'homme et à la femme, doit se consommer dans un cadre de mariage. Et on donne trois conditions pour arriver à être dans ces relations en étant en accord avec la volonté de Dieu. Il s'agit de faire de cette relation une relation responsable. Retenons ces mots parce que nous allons y revenir. De faire de cette relation une relation responsable. Un, fidèle et permanente. Une relation responsable, fidèle et permanente. Et l'apôtre Paul est celui qui donne des grands détails sur ce que doivent être les relations sexuelles entre un homme et une femme dans la Bible. La Bible n'a pas dit qu'il fallait aux hommes et aux femmes d'être comme nous le constatons quelque part. Cette jouissance est une volonté de Dieu quelque part, mais elle est encadrée par des notions qui sont claires, avec un sens de responsabilité, un sens de fidélité, dans une permanence qui ne peut être conçue que dans le cadre du mariage. Selon vous, quel est le sens du mariage par rapport à la parole de Dieu ? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Quand des couples se présentent à nous pour la bénédiction nuptiale, nous prenons le temps de leur dire ceci, que Dieu, sa présence en nous est permanente. On a beau se cacher dans une pièce, se disant que dans cette pièce, il n'y a personne, Dieu nous voit. On peut être au milieu d'une savane, d'une forêt, au milieu de la mer, d'un fleuve. On a l'impression d'être seul, Dieu nous regarde. Donc ce que nous disons quand des couples se présentent à nous pour parler de la bénédiction nuptiale, nous disons, écoutez, vous vous êtes certainement aimés, mais l'étape que vous voulez franchir est une étape qui vous met en présence de Dieu, qui est le créateur, le gouverneur de toutes choses dans les cieux, sur la terre et partout. Et on espère que l'acte que vous posez est réfléchi, parce que dès lors que vous présentez votre couple devant le créateur, vous signez là un acte qui vous lie pour toujours. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Et on revient sur cette notion que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront un seul corps. Ça veut dire que dès lors que vous vous êtes mariés, vous êtes un. Et je pense, madame la journaliste, que vous ne pouvez pas donner une paire de gifles à vous-même. Je pense aussi que vous ne pouvez pas prendre un couteau et vous le mettre vous-même, même quand on parle de notion de suicide. Mais c'est une déviance, le suicide déjà en psychologie, ce n'est pas quelque chose de normal. Donc, l'intérêt que la Bible accorde au mariage est un intérêt tellement important qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se marie par suivisme, qu'on se marie par enthousiasme, qu'on se marie parce qu'on a dit on veut de tels titres à l'église et pour l'avoir, il faut être marié. Donc, on est allé se marier simplement pour être en conformité avec un titre comme à l'époque, on ne pouvait appeler rabbi au niveau des juifs que quelqu'un qui était marié. Donc, il ne faut pas se marier pour être appelé rabbi. Mais il faut se marier parce que vous êtes aimé et vous avez compris la signification profonde du mariage. Je disais tout à l'heure que l'apôtre Paul, quelque part, il dit même qu'il serait préférable pour les hommes d'être comme lui, de ne pas se marier. Mais comme on peut être appelé à brûler, c'est le verbe qu'il utilise, eh bien, que chacun se marie, mais que chacun de nous soit le mari d'une femme. Et il donne un certain nombre de prescriptions là-dessus. Donc, pour ceux qui se sont mariés devant l'Éternel, c'est un engagement tellement important que quand nous courons vers la rupture de cet engagement, nous semblons dire à Dieu que nous avons menti, que nous t'avons utilisé en vain, que nous avons utilisé ton nom en vain. Parce que, permettez-moi aussi d'avancer un peu là-dedans, si nous avons réellement consenti à présenter notre couple à Dieu, au Seigneur, cela veut dire que chaque fois que notre couple sera dans des moments de turbulence, on aura confiance à ce Dieu, parce que si nous sommes venus vers lui, c'est pour qu'il nous accorde la force, l'énergie, l'intelligence de toujours nous en sortir chaque fois que nous serons dans une situation difficile. Un mariage sans amour est-il possible? Et l'inverse aussi, Papa Charles? C'est impossible. On dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront un seul corps.
Comment vous pouvez être vous si vous ne vous aimez pas? L'Éternel dit, il demande de l'aimer plus que tout et d'aimer le prochain comme vous-même. Mais vous avez ce prochain qui s'imbrique en vous, qui devient vous-même avec les liens du mariage. Non, le mariage sans amour n'a pas de fondation. Donc ce mariage-là est soumis à tout ce que l'environnement peut avoir de nocif, de négatif pour essayer de déstabiliser. Il peut pas avoir de mariage sans un amour réel. Même nos parents qui subissaient des mariages arrangés se mettaient ensemble et l'amour se cultivait. À l'issue, cet amour-là, il est même plus réel, plus concret que l'amour de la génération actuelle qui se base soi-disant sur l'amour des Occidentaux. Mais nos mamans ont tenu des foyers en dépit des problèmes, en dépit des situations. Nos mamans ne se sont pas connues sur la base des poèmes. Nos mamans ne se sont pas connues sur la base de coups de foudre la plupart du temps. Mais ils ont su créer ces poèmes de façon évidente dans le cours de la vie. Et ils ont su créer ce coup de foudre parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être ensemble, avoir une famille, avoir des enfants s'il n'y avait pas cet amour comme base. Par rapport à votre expérience de vie, comment se définit l'amour dans un couple? Ah, c'est ça le grand problème aujourd'hui. Je pourrais même vous reposer la même question, mais comme c'est vous qui conduisez l'émission, je ne peux le faire. L'amour, madame, est-ce que nous connaissons aujourd'hui la signification du mot amour? C'est le grand problème aujourd'hui, hein? Tout le monde dit aimer, aimer, aimer. Mais est-ce que nous connaissons aujourd'hui ce que veut dire l'amour? Est-ce que l'amour n'est pas lié à quelques aspects extérieurs? Est-ce que l'amour n'est pas lié à quelques aspects matériels? Est-ce que l'amour vient vraiment de notre cœur? Quand vous rentrez dans Romains, je crois, Romains 13, vous avez les critères de l'amour qui sont définis. Moi, chaque fois que je lis, que je parcours ces critères, je n'ai même pas 10% de ce que Dieu demande. Donc, l'amour aujourd'hui, est-ce que tout le monde a compris la signification de l'amour? Est-ce que la signification de l'amour, c'est quand vous avez donné de l'argent à une personne, que la personne va vous dire « je vous aime ». Est-ce que la personne, ce n'est pas l'argent que la personne aime? Quand vous avez fait un cadeau à une personne et la personne vous dit « je vous aime », est-ce que quelque part, cet amour-là, ce n'est pas l'amour de ce que vous avez offert? C'est le grand problème. Parce que si nous étions dans une société d'amour, on n'assisterait pas aujourd'hui à beaucoup de divorces, de séparations, de conflits. Tout ce dont nous avons comme observation, comme remarque dans la vie des couples, dans les foyers aujourd'hui. Si la régie est prête, à vous les inserts. La Java, c'est quoi? C'est seulement l'argent là? Tu penses que c'est quoi encore? Génération Abeno, Choco Yambontrou, hein, vous adorez plus l'argent que de comprendre l'autre. Toi, surtout les filles, quand il va avec un homme, c'est d'abord l'argent. Et il ne voit pas quel est l'avenir qu'on puisse préparer. Le zolo qui existait. Ça, je le confirme, le zolo existait. Le zolo, ce n'est pas peut-être que non, la côté à Moutoumoussi. Non. Le zolo, il faut avoir un partage égal. Dans quel sens? Moralement, physiquement, spirituellement. Quand je dis physiquement, quand tu es là, il y a mes joies, il y a mes coups de il y a mes joies aussi, il y a mes coups de mais il faut pas vendre basé, quand il y a un coup de coups de caca. Parce que si il y a vendre, il y a tourner le dos. Quand je parle spirituellement, il faut que monter dans quel sens? Moukena qui me paye. Il faut nous soutenir. Il y a un passé, mais il partager ensemble. Parce que si on ne peut pas faire que ce n'est pas, comme on dit, pour le bien pour le pire. Le pire est un peu de partager. Parce que si on ne peut pas faire bien matériel. Non, 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 non. Si la relation qu'elle est l'amour, on a un bon. Parce que si on est bon, qu'elle veut l'amour qu'elle va enlever. Il y a un bon. C'est leur conscience à mon nom. Je ne sais pas si tu as dit que tu fallait un bon vin. Parce que tu as dit 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 que tu as dit
même si elle m'ing veut, mais quand même symbole la vanda. Si l'amour existe, et moi aussi je vais insister que le zoul existe parce que moi aussi, je suis témoin de tété. Moi se confier que n'a pas un zoula vraiment na timamoun. Déjà moi on a vrai païen néné. Moi qu'on avait dans l'église, je le peux mon conseil, je le temps de bible na l'amour. Mais vraiment le zoula qui a dit, en zoul amour vraiment réel, moi aussi je me zoul mon. Il faut être connecté dans l'église, me présenter à un pasteur, être causé parce que mon gars a besoin de prière. Et moi voilà, na vie moi cela vraiment bizarre. Même ma grand frère, ma grande sœur, on s'est avait confiance dans même bouteille de gaz, on peut nous aussi mieux qu'on charge ça. Il y a des autres personnes dans les coins. Ils nous ont lavé, il y a un handicap, nous nous changer. Donc le zolo qui existe. Il est navire, on a fait, il y a quelques personnes nous bon et puis à la fin tu n'as rien eu. Bon, il y a là si me veut parce que il y a que nous tout. La chair a ses besoins. Boubien mon la telingue. Mbasi, me résister, mbasi, non. Yimon a pesangé. Nge fonge pesé mon aussi. On échange. Y'a que t'es conçu boutique. Mego sou kim l'engue. Mais pesé n'y fonge pas marchandise. Donc le zolo n'engue n'a mon keiki. Quand tu es là, physiquement d'abord, c'est bon. Il amour de onina. Physique, on met l'engue. Il nous zolo. Y'a aussi, il s'agit de se partager les parties intimes. Ça aussi, ça accompagne aussi. Mais donc, les deux côtés, qui est important? Moi, je ne vis jamais. On a fait briller les mains, garantir à mon ou bien bénéfice à mon engé qui est élevé. Kindumba, il y a des longues maladies, mieux que se débrouiller, il y a des longues maladies, il y a des textes qui sont en balabala. Il y a des gens qui ont été en train de provoquer un jour des problèmes malades, ils ont été en train de se débrouiller. Mais la jeune, la bouvia, il va maman le pessoir. Ben se tranquilliser. Pour ben van 5 mois et quand la bonne yani za va bakala. Maman yani que pessoir ni conseil maman. Diatila fasia, diatila passe. Qui m'a yambote? Ça ambile nzame pour que. Ça me tanga Bible bien même verset biblique na katukun. Il est question de sangue intime, c'est tout. Merci la régie pour tous ces inserts. Revenons droit à notre invité. Papa Cha, comment se définit la prostitution puisque c'est le terme de ce soir? La définition de la prostitution est claire. C'est le fait d'entretenir à volonté des rapports sexuels contre rémunération et contre rétribution. C'est-à-dire vous allez avec un homme, avec une personne, contre moyennant des finances, moyennant de l'argent, moyennant un cadeau, moyennant un bien. Donc, ce n'est pas conçu dans le but de consommer un amour dans une relation ordinaire, dans une relation normale. Mais vous avez fait de l'acte sexuel un métier et vous y allez parce que on vous a payé ou qu'on va vous payer. Donc, il y a une tarification tacite ou réelle ou volontaire. Et cette rémunération peut être sous forme d'argent et on dit aussi quelque part sous forme de cadeau, sous forme de bien. Madame la journaliste, vous avez l'habitude de trouver une dame ou une demoiselle qui évolue dans sa vie en vendant ses charmes. Elle loue la maison en vendant ses charmes, elle mange en vendant ses charmes, elle se déplace en vendant ses charmes. Elle a une fonction là où elle travaille en vendant ses charmes. Elle trouve du travail en vendant ses charmes. La prostitution. Donc, c'est aussi une multiplication de partenaires dans le but d'être rémunéré, d'avoir de l'argent. Voilà de façon claire la définition de la prostitution. Elle est tellement claire que quand vous allez me poser la question de savoir comment ce fléau a pris parti dans les milieux de prière, nous partirons de cette définition et chacun va se retrouver. Pour quelle raison elle est considérée comme le plus vieux métier du monde? Ah, on a tendance à dire que la prostitution c'est le plus vieux métier du monde. Certainement puisque le désir est insufflé à l'homme et à la femme depuis la création. Donc quand le désir est insufflé à l'homme et à la femme, si la maîtrise de ce désir n'est pas sous-tendue ou soutenue par la volonté de Dieu et que l'homme en fait ce qu'il veut, quelque part on sait aussi que dès le début, il y a eu cette volonté manifeste de la femme, certainement, à user de ses charmes pour gagner. Dieu dit, tu mangeras la sueur de ton front. Et moi, j'ai trouvé une dame qui m'a dit, mais nous ne sommes pas en désaccord avec Dieu.
puisque nous travaillons aussi à la sueur de notre front. Donc voyez la considération que cette dame a du concept de prostitution. Oui, certainement, c'est le plus vieux métier du monde parce que le désir, lui, il est là depuis, hein, dans Genèse. Peut-on parler d'une différence entre la prostitution, la débauche et la fornication? Voilà, il y a prostitution, il y a fornication, il y a débauche. La fornication, c'est avoir des relations sexuelles hors du mariage. C'est-à-dire, vous n'êtes pas marié et vous avez des relations sexuelles. C'est ce qu'on appelle la fornication. C'est déjà un fléau dans les milieux de prière. Mais la différence entre la fornication et la prostitution, c'est que vous avez des relations hors mariage, mais la femme n'exige pas une rémunération, une rétribution. Ça peut être un amour passager, ou un coup de foudre, ou quatre coups de foudre, ça dépend. La débauche, c'est maintenant aller dans ces relations-là de façon excessive. Et la débauche rejoint un peu ce qu'on appelle l'impudicité. Donc vous avez la débauche, vous avez la fornication, qui sont déjà des fléaux au niveau de l'Église, mais la différence avec la prostitution, c'est que il n'y a pas la notion de rémunération, il n'y a pas la notion de rétribution. Peut-on dire que la société entretient-elle une hypocrisie par rapport à la prostitution? Une grande hypocrisie. La société entretient une grande hypocrisie, madame la journaliste, chers amis, par rapport à la prostitution. Comme la société d'aujourd'hui entretient une grande hypocrisie par rapport au vol. Voilà la nécessité d'avoir eu en introduction la définition de voler. Vous avez vu celui qui a volé par nécessité. Bon, d'ailleurs, voler par nécessité, c'est d'ailleurs, ça n'existe pas. Mais quelqu'un qui a été conduit à voler, qui a été tabassé, battu à mort, mutilé. Mais vous avez des gens qui volent à longueur de journée, qui ne subissent rien, qui sont considérés comme des patrons dans leur famille, qui sont considérés comme des patrons dans leur quartier, qui sont des grands donateurs de l'Église, qui font des donations à l'Église sur la base de l'argent qu'ils ont volé, qui font des donations à l'Église sur la base de l'argent qu'ils ont dilapidé. Alors la prostitution, on est pressé d'indexer la maman qui est à Rex pour dire « moi je n'arrive pas à Rex là-bas, un quartier de prostituées ». Mais il y a des prostituées nobles, entre guillemets, mais qui ne sont rien d'autre que des prostituées. Ce sont ces femmes-là qu'on dit « bah maman Kilo », bah maman Mbongo, des femmes d'affaires, mais qui vivent de quoi? En entretenant des relations rémunérées. C'est des femmes, parce que la différence c'est quoi? Elles ne sont pas à Rex. La différence c'est quoi? Elles ne sont pas à la Canebière. La différence c'est quoi? Elles ne sont pas à la rue Princesse. Mais elles font le même métier. Parce qu'à Rex, on retrouve nos mamans dans des maisons fatiguées, on retrouve nos mamans dans des conditions de vie déplorables. Et on jette l'opprobre sur ces mamans. Parce que celle qui a eu l'intelligence de se faire une maison et de mettre toutes les conditions où elle reçoit allègrement des gens bien placés et qui aussi entretiennent cette forme de corruption, de prostitution, la maman-là n'acceptera pas qu'on l'appelle prostituée. Mais si on utilise les termes, les contours de la définition du mot prostitution, elle est une prostituée. En reprenant au terme, alors combien de prostituées nous avons dans des cercles IP, dans des cercles bien placés et tout. Donc oui, le monde entretient une hypocrisie par rapport à la prostitution. On dira qu'on ne vous voit jamais à Rex, que vous n'allez jamais à Rex. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à Rex parce qu'il y a des gens qui ont construit, bien construit. C'est des formes de maisons closes, sans autorisation. Mais tout le monde sait que telle personne a atteint ce niveau d'enrichissement en vendant ses charmes, en vendant son corps. Donc c'est cette hypocrisie-là où les faibles sont cantonnés dans certains concepts et subissent l'opprobre de la société au détriment de ceux qui font pire, mais qui se sont enfermés dans des concepts de noblesse, de considération, de dignité, mais qui sont dans les mêmes pratiques. C'est cette hypocrisie que nous avons eu à introduire aussi au niveau des églises, au niveau des milieux de prière. Comment croire que la prostitution puisse vraiment avoir cours dans les lieux de prière? Mais on revient toujours à la définition.
Aujourd'hui, la définition de la prostitution, nous l'avons dit, madame, c'est avoir des relations, entretenir des relations sexuelles sur la base de rémunération. Dans nos églises, dans nos lieux de prière aujourd'hui, combien de sœurs, vous trouvez une sœur qui ne travaille pas, qui a refusé même de faire l'effort, qui a refusé même d'aller apprendre, mais elle est là. Elle loue une maison, elle a une voiture, ou quand elle n'a pas une voiture, elle a une vie, où apparemment elle n'est jamais en difficulté pour joindre les deux bouts du mois. Et quand vous cherchez à savoir ce qui se passe à l'intérieur, c'est une sœur. Parfois c'est une responsable à la chorale. Parfois, c'est des gens qui sont dans l'église. Et c'est l'une des raisons aussi, c'est le fait que la société aujourd'hui imprime sa volonté au niveau de l'église. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit à l'église d'imprimer sa volonté au niveau de la société a réussi à imprimer sa volonté au niveau de l'église. Et c'est pour cela que les fléaux de la société, nous les retrouvons aujourd'hui au niveau de l'église. Vous avez des sœurs aujourd'hui qui sont avec 6, 7, 8, 9 personnes. Il y a une personne qui loue la maison, il y a une personne qui paye le téléphone, il y a une personne, moi je connais une sœur qui a 3 téléphones, et c'est que les 3 téléphones là, c'est Jules, Jean et un tel. Le téléphone rouge, c'est pour André, Grégoire et un tel, le téléphone machin. Donc quand le téléphone rouge sonne, ça doit être ou Grégoire ou tout. Donc c'est son genre de vie. Mais elle est là, elle loue, elle glorifie. Alléluia, sans effet, à longueur de journée dans les églises. Et nous avons aussi malheureusement des frères dans les églises qui ont compris cette faiblesse au niveau de certaines sœurs parce qu'elles ont de l'argent et qui entretiennent des rapports avec des sœurs, des frères à l'église qui dans un premier temps pouvaient être considérés comme de la fornication, pouvaient être considérés comme l'adultère parce que beaucoup sont mariés, pouvaient être considérés comme la débauche, mais quand c'est payant, parce que le langage aujourd'hui c'est quoi? Faut être clair, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, je te donne mon argent, tu me donnes ton corps. Il faut pas hésiter à le dire. Je te donne mon argent, tu me donnes ton corps. Un point, un trait. C'est ce qui existe maintenant en échange. Et dedans là, le débat il est réduit. Même le débat de Dieu, il est réduit. Le partage de Dieu, il est réduit. Parce que le sens, c'est celui que je viens de vous donner. Je te donne mon argent, tu me donnes ton corps, point. Et ça existe maintenant dans les milieux de prière, malheureusement. Ouf, la prostitution, les causes, Papa Charles. Dans les causes, on pourrait parler de la précarité. Ça, c'est si on ne parle pas de la Bible, on pourrait parler de la précarité. On pourrait parler aussi de prédestination. Il y a des gens comme ça, hein. Ce n'est pas la précarité qui les a conduits, mais c'est une volonté personnelle de vivre comme ça, de ne pas aimer l'effort. Bon, il y a plusieurs causes. Et il y a une cause qui est liée même au péché originel depuis le jardin d'Éden, quand le serpent vient à la femme. Mais pour nous qui prions, les causes c'est quoi? C'est nous n'avons pas la crainte de Dieu. Parce que si nous avons la crainte de Dieu, nous allons comprendre le respect qui doit entourer ce genre de relation. La responsabilité qu'on a chaque fois qu'on s'engage dans ce genre de relation. Et le sens aussi du mariage. Mais quand on n'a pas la crainte de Dieu, on ne pense pas à tout ça. Donc moi, les raisons qui peuvent conduire les gens à la prostitution dans le monde, je ne veux pas m'attarder sur ça parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue non plus. Mais pour l'Église, c'est la crainte de Dieu qui manque. Parce que si on le fait, quelque part on se dit que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas là. Et c'est pour ça qu'on se met dans ce genre de conditions. Pourquoi tant de scandales liés à l'usage du sexe, Papa Charles? Dans les premières questions, vous avez dit que les grands hommes dans la Bible étaient tombés à cause de la femme. Ben, le péché originel, nous sommes tributaires jusqu'à présent. Vous savez, c'est la femme qui se laisse séduire par le serpent. Et quand la femme revient, l'homme dit, la femme que tu m'as donnée, voilà ce qu'elle a fait. Donc, madame la journaliste, on pourrait dire que c'est dans les rapports entre l'homme et Dieu où le point faible a toujours été démontré par cette action du serpent vers la femme qui a conduit vers l'homme. Qu'est-ce qui vous choque de plus, Papa Charles, avant de conclure notre émission? C'est de voir qu'aujourd'hui, nous qui prions, nous qui prenons pour base la parole de Dieu, nous avons cette responsabilité ô combien grande de dire à la société qu'il est temps de se ressaisir, de dire à la société que le chemin que nous sommes en train de prendre n'est pas bon, de dire à la société que nous sommes en train de perdre des valeurs.
que nous sommes en train de nous enfoncer. Ce qui me choque, c'est que c'est la société qui est rentrée dans l'église en prenant en otage nous autres déjà les dirigeants. Et la société nous impose un rythme qui est différent du rythme qui est voulu par Dieu, du rythme qui est recommandé par Dieu. La conséquence aujourd'hui, il n'y a plus de véritable amour. Le véritable amour n'existe pas. Parce qu'on se met plus en couple pour supporter, pour être ensemble dans les moments de souffrance. Et la fameuse expression pour le meilleur et pour le pire reste dans les paroles. Parce que dès que le pire arrive, on oublie rapidement. C'est rare dans 10 mariages d'en trouver deux qui sont bâtis sur le véritable amour. Parce que vous allez trouver des parents qui sont même devenus regardants sur l'origine ethnique de ceux qui veulent épouser leur fille, leur enfant, leur garçon. Il est de quelle région? Il est de quelle ethnie? Il travaille où? Il a quel boulot? Donc il y a des considérations autres que les considérations d'amour, de sincérité de cœur, qui ont fini par prendre la place de la véritable sincérité qui doit nous conduire à être ensemble. Et aujourd'hui, les rapports dans les églises, dans les lieux de prière se limitent maintenant à quoi? À des intérêts. Simplement, on n'a plus le véritable partage qui se fait sans intérêt. Qu'on ne peut pas aider une sœur sans attendre d'elle que. Et qu'est-ce que les gens de mauvaise foi ont fait? Ils ont profité de cette brèche. Ils ont profité de cette mainmise de la société sur main basse, j'allais dire, de la société sur l'église, pour amener les dysfonctionnements de la société au niveau de l'église. Vous trouvez aujourd'hui des jeunes filles qui n'ont pas encore 20 ans, mais qui vous donnent l'impression d'avoir fait une vie que même une femme de 42 ans n'a pas encore fait. Comment vous pouvez expliquer les phénomènes de jeunes filles mères? Un phénomène qui ne va qu'en ordre croissant au niveau des églises. Comment vous pouvez vous expliquer la prolifération des maladies sexuellement transmissibles dans les milieux de prière? On a été dans un milieu de prière quelque part pour faire aux gens les tests VIH. Mais c'était grave. C'était grave. Et donc, allègrement, on sait que telle personne va à l'église, mais au fond, la personne se sert de l'église pour asseoir une pratique qui ne répond même pas au bon sens d'abord, et ne répondant pas au bon sens, ne répond pas à la volonté de Dieu. Merci, Cham Ekungilundu. Que direz-vous en guise de conclusion? La société doit cesser d'être hypocrite. Parce que c'est cette hypocrisie de la société qui est venue dans les lieux de prière. Aujourd'hui, plus personne ne se donne à l'effort. La réflexion d'une sœur qui se lève le matin, c'est qui elle peut appeler pour avoir le billet de se rendre quelque part. Qui elle peut appeler pour avoir de quoi acheter un jus. Qui elle peut appeler parce que la fin du mois approche pour le loyer. Et elle navigue entre différents hommes, peu importe qu'ils soient mariés ou qu'ils ne soient pas mariés. Encore qu'il y a des phénomènes ici au pays qui me font rire. Quand il y a un anniversaire, chacun veut prouver à l'autre qu'il peut mieux célébrer son anniversaire que l'avait fait l'autre. Et c'est des occasions pour vendre son corps, pour vendre ses charmes, avec pour objectif faire une grande fête que les gens diront, voilà, on était donc. C'est désolant, c'est vraiment désolant. Rendons nos lieux de prière propres. Si nous avons véritablement la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, prenons cet engagement à partir d'aujourd'hui pour rendre nos lieux de prière propres. Merci beaucoup, Cham Ekungi, notre invité principal. Merci aussi à vous, auditeurs, téléspectateurs et internautes de la RTOPH. Retrouvez toutes les émissions Asselineau sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, RTAOPH Média YouTube et sur votre chaîne de proximité, la RTAOPH. Surtout, n'oubliez pas de partager, de commenter et de liker nos émissions. Grand merci à vous de nous avoir suivis et merci de garder toujours cette chaîne pour vous informer davantage et pour plus de conseils qui sont de suivre le Christ pour toujours. Merci à vous.